Construite dans les années 60, la copropriété Les Roseraies, située à Orléans, est composée de 383 logements répartis en 13 bâtiments. Grâce à un projet de rénovation énergétique globale et ambitieux, elle a fortement diminué sa consommation énergétique. Le dernier ravalement datait de 1992. La résidence vieillissait très mal. Il y avait besoin de beaucoup de travaux. D'abord, un meilleur aspect. Certains appartements étaient froids. Nos cuisines ont beaucoup au nord, donc ça faisait un peu réfrigérateur. On a fait essentiellement des travaux de rénovation énergétique, donc l'isolation thermique par l'extérieur des façades, l'isolation des toitures terrasses, la mise en place d'une ventilation contrôlée, mécanique contrôlée, et enfin on a remplacé les garde-corps. Sur ce projet, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement un projet de rénovation énergétique, c'est un projet de longue durée. Les copropriétaires ici ont commencé à réfléchir avec l'architecte et le syndic en 2012. Et en 2018, on nous a appelés pour travailler sur les aspects financiers du projet, puisque le projet technique était prêt. Et donc, à partir de là, on a travaillé de 2018 à 2022 sur le financement, la réalisation des travaux et la mise en paiement des subventions. Beaucoup de propriétaires étaient pour ce ravalement. D'abord pour donner un autre aspect. Ensuite, un meilleur confort. Nous avons eu beaucoup de réunions avec les architectes, des entreprises, l'APIC qui nous a guidés pour les financements. Nous avons eu beaucoup de réunions aussi. Beaucoup de personnes ont pris un prêt à taux zéro. Je pense qu'au début, les copropriétaires n'avaient pas conscience de l'ampleur des aides qu'ils pouvaient avoir. Donc, bien sûr, elles ne sont pas forcément égales par rapport aux situations de chacun, mais c'est surtout important pour ceux qui ont des petits revenus. En fait, ceux-là ont été beaucoup plus aidés que les autres et ça permet en fait de mettre tout le monde à pied d'égalité pour pouvoir faire les travaux et préserver l'énergie pour les générations futures. Aux copropriétés qui hésitent à se lancer, je dirais qu'on est là pour les accompagner, donc aussi bien les architectes, les assistants en maîtrise d'ouvrage, on est là pour que le projet se passe mieux et puis les accompagner dans toutes les démarches. C'est un projet de grande ampleur, mais si on est bien accompagné, ça se passe bien. Par expérience, puisqu'on est quand même de temps en temps en contact avec le conseil syndical notamment, on sait que globalement les copropriétaires sont très contents des travaux pour deux raisons. D'une part parce que la plupart d'entre eux effectivement ont beaucoup moins de mal à chauffer, c'est-à-dire qu'ils vivent d'une façon beaucoup plus confortable. Il y a un confort de vie qui a augmenté. Et d'autre part, les copropriétaires qui ont vendu plus cher qu'avant, donc la revalorisation immobilière qu'on avait promise a bien eu lieu. Et dernière chose aussi, les charges ont baissé. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de restaurer, de rénover votre copropriété, n'hésitez surtout pas. Avec la rénovation énergétique, on est gagnant à tous les étages.